Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Now, after this Holy Ghost fell upon them, it made them so much sweethearts until everything was in common. Is that right? My, what a fellowship. Maintenant, après qu'il est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns des autres qu'ils avaient tout en commun. Pas vrai? Oh là là, là là, quelle communion! We sing that song sometimes. Oh, what fellowship, oh, what joy divine, that's it. On chante quelquefois ce cantique-là. Oh, quelle communion, oh, quelle joie divine, c'est ça. They didn't care whether the sun shined or didn't. They didn't ask for a flower bed of ease. Ça leur était égal que le soleil brille ou pas. Ils ne demandaient pas à être couchés sur un lit de rose. Now, I received the Holy Ghost, says some people to me, Mr. Graham, if you will guarantee me that I'll be a millionaire. If you'll guarantee me I'll find oil wells and if I'll find gold mines and... Bon, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes me disent. Monsieur Branham, si vous me garantissez que je deviendrai millionnaire, si vous me garantissez que je trouverai des puits de pétrole, et si je trouve des mines d'or, et que je... See, people teach that and they teach a lie. God has not promised those things. Vous voyez, les gens enseignent ça, et ils enseignent un mensonge. Dieu n'a pas promis ces choses-là. A man who's ever received the Holy Ghost don't care whether he begs for bread or not. Doesn't make any difference to him. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait à mendier son pain ou pas, ça lui est égal. Ça ne compte pas pour lui. He's a heaven-bound creature. He's got no ties here at all. Run. Il est une créature qui est en route pour le ciel. Il n'a aucune attache ici du tout. C'est vrai. You don't care, let come, let go, what may, let them criticize, make fun, lose your prestige. Why do you care? Ça lui est égal. Advienne que pourra. Que les gens critiquent, qu'ils se moquent, que vous perdiez votre prestige. Qu'est-ce que ça peut vous faire? You're on your road to glory. Hallelujah. Your eyes are set on Christ and you're on your road. You don't care what the world says. Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia! Vos yeux sont fixés sur Christ et vous êtes en route. Ça vous est égal, ce que le monde peut dire. That's what the Holy Ghost is. It's a power, it's a seal, it's a comforter, it's an advocate, it's a sign. Oh my! It's an assurance that God has received you. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est une puissance, c'est un sceau, c'est un consolateur. C'est un avocat, c'est un signe. Oh là là, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. How much time have I taken? I've got just 8 more minutes. All right. I got a lot of scriptures here. I don't guess I can get them in, but we'll try our best. J'ai pris combien de temps là? Il ne me reste plus que 8 minutes. Très bien. J'ai beaucoup de passages de l'écriture ici. Je ne pense pas pouvoir les incorporer, mais on va faire de notre mieux. Now,
After a man has been filled with the Holy Ghost, is it possible that persecutions and pains would cause him to have to come back and... Maintenant, après qu'un homme a été rempli du Saint-Esprit, est-il possible qu'à cause des persécutions et tout, il se trouve forcé de revenir et... Now he ain't gonna lose. He's still a son of God. He'll always be. Because you're sealed how long? That's right. That's what the Bible says. Maintenant, il ne va pas perdre. Il est encore un fils de Dieu. Il le sera toujours. Parce que vous êtes scellés pour combien de temps? C'est vrai. C'est ce que la Bible a dit. Vous pouvez nous soumettre vos idées pour les prochaines vidéos en description. Et pour être informé des nouvelles vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt mes chers frères et sœurs. Shalom. Blessed Father, we thank Thee, most holy God, from the very depths of our hearts for time testing. Every trial, we do not feel bad about them, Lord, but we're grateful that Your grace was sufficient to help us through these great times of trial. Père béni, nous te remercions, Dieu très saint, du plus profond de nos cœurs, de nous faire passer des temps d'épreuves. Chaque épreuve, elle ne nous démoralise pas, Seigneur, mais nous sommes reconnaissants que ta grâce est suffit pour nous aider à surmonter ces durs moments d'épreuve. As the man tonight, I thrilled the audience when he mentioned amazing grace. And when we got to that certain verse, through many dangers, toils and snares, I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It's grace that'll take me on. Ce soir, combien cela a transporté de joie l'auditoire quand cet homme a parlé de grâce infinie et quand nous sommes arrivés à ce couplet-ci. Que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent et la grâce me mènera à la maison. Oh, it thrilled the people's heart. We believe it was lining up with the message tonight, that it was the time testing through dangers, toils, and snares. It was to help the Christian, the one who's examined himself now and know that he stood faithful by the grace of God. Oh, cela a transporté de joie le cœur des gens. Nous croyons que cela s'alignait bien avec le message de ce soir, que c'est un temps d'épreuve, par des dangers, des labeurs et des pièges. C'était pour aider le chrétien, celui qui s'est examiné maintenant et qui sait qu'il est resté fidèle par la grâce de Dieu. It was to bring shame to those who is falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle. C'était pour faire honte à ceux qui sont tombés, qui ont des hauts et des bas, qui s'en fichent et qui ont une vie dissolue. Oh Dieu, pas même une cicatrice qui témoigne des combats. We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood and clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and retap them out, Lord, and make them material. Oh, eternal and blessed Father, hear the prayer of your servant. Seigneur, nous te prions ce soir de sanctifier l'Église par ton sang sacré et glorieux, et de libérer de tous les défauts, de tous les points faibles et de tous les filetages défectueux. Usine-les de nouveau
et taraude-les encore une fois, Seigneur, et fais d'eux le bon matériau. Ô Père éternel et béni, écoute la prière de ton serviteur. While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty. Et pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y avait une telle personne ici ce soir qui sent qu'en ces temps d'épreuve, Dieu ne l'a jamais trouvé fidèle à son poste. When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that? Quand des disputes éclatent, vous jetez-vous dans la mêlée pour y participer? Quand des querelles éclatent, quand l'indifférence, quand des différences surviennent dans l'Église, prenez-vous le parti des sectes et des cliques et ainsi de suite? Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that, you've been blown to by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God tread us down and get us ready for this great bridge to take its rapture. Écoutez-vous les commérages dans la rue et ailleurs? Si vous êtes coupable de ces choses, vous avez reçu les coups du diable, alors retournons dans le haut fourneau ce soir et soyons refondus pour en ressortir débarrassés de ces choses. Que Dieu nous filette et nous prépare pour que ce grand pont soit pris dans l'enlèvement. If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand? Si une telle personne est ici et voudrait qu'on pense à elle dans la prière, vous dites, Frère Branham, comment saurais-je que ce mémorial éternel et immortel tiendra bon? I will quote to you his word according to John 5:24. He that heareth my word, that goes to my school. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. And shall never come to the judgment, but pass from death unto life. Je vais vous citer sa parole, selon Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole, pas celui qui va à mon école, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Can you hear his word calling you tonight? If you can and like to be remembered in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, just pray for me. I want to be the right kind of material that when Christ brings his church out, that I'll not be, God bless you, sir, I'll not be shaky about it. He'll place me right in church. God bless you, young man. Entendez-vous sa parole vous appeler ce soir? Si vous l'entendez et voulez qu'on pense à vous dans la prière, voudriez-vous lever la main? Dites, Frère Branham, priez seulement pour moi. Je veux être le matériau qu'il faut, afin que, lorsque Christ emmènera son Église, je ne sois pas... Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je ne serai pas incertain. Il me placera directement dans l'Église. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. God bless you, sister. I want to be... God bless you, brother. I want to be the right kind of material. God bless you, little one back there. God bless you over here, my dear brother. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je veux être, que Dieu vous bénisse, frère. Je veux être le type de matériau qu'il faut. Que Dieu te bénisse, petit au fond là-bas. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère, par ici. I want to be found as real material. I want to be able to give the testimony of what hope that lies within me. The hope. God bless you, sister. That's good. That's right. Je veux être trouvé comme du véritable matériau. Je veux être capable de donner le témoignage de l'espérance qui repose en moi, cette espérance. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est bien, c'est vrai. What does it do, Brother Branham, raise up my hands? You pass from death to life. That's what you do. You break every law of gravitation right there. See, if you were just a wax figure sitting there, you could never raise your hand. You couldn't do it. À quoi cela sert-il, Frère Branham, de lever les mains? Vous passez de la mort à la vie. C'est ce que vous faites. Vous défiez chaque loi de la gravitation à l'instant même. Voyez, si vous étiez juste un mannequin de cire assis là, vous ne pourriez jamais lever la main. Vous ne le pourriez pas. But it goes to show there's a spirit in you. A spirit. And that spirit has heard the spirit of God talking to you. And that spirit that's within you has made a decision. So it defies
science. It defies gravitation. Mais cela montre qu'il y a un esprit en vous, un esprit, et cet esprit a entendu l'Esprit de Dieu vous parler. Et cet esprit qui est en vous a pris une décision. Alors, ça défie la science. Elle défie la gravitation. It comes up, shows he's a spirit, and you can raise your hand. If you were dead, you couldn't do it. But you've come to life. Something's happened. Elle se lève, ce qui montre qu'il y a en vous un esprit qui peut vous faire lever la main. Si vous étiez mort, vous ne pourriez pas le faire. Mais vous avez pris vie. Il s'est passé quelque chose. If you're dead in sin and trespass, God can't speak to you anymore. Your hand will stay down. If you're not dead in sin and trespass, and God can speak to you and you receive life, you raise your hand. See, it shows the life has made a decision. You've accepted Christ. You pass from death unto life if you mean it. Si vous êtes mort dans le péché et l'offense, Dieu ne peut plus vous parler. Votre main restera baissée. Si vous n'êtes pas mort dans le péché et l'offense, alors Dieu peut vous parler et vous recevrez la vie et vous lèverez la main. Voyez, cela montre que la vie a pris une décision. Vous avez accepté Christ. Vous êtes passé de la mort à la vie, si vous êtes sincère. Mean it now as you raise your hand and say, God, be merciful to me. Make me what I ought to be, and I'll serve you all my life. I want to be found ready at that day. Soyez sincère maintenant en levant la main. Dites, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Fais de moi ce que je dois être, et je te servirai toute ma vie. Je veux être trouvé prêt ce jour-là. Blessings on you, my dear brother back there. God bless you, young fellow. God bless you, there, brother. God be with you. God bless you, honey. All right, someone else? God bless you here, Brother Roy. And the Lord be with you. Yes. Soyez béni, mon cher frère, là au fond. Que Dieu te bénisse, jeune garçon. Que Dieu vous bénisse, là-bas, frère. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu te bénisse, mon trésor. Très bien, quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, frère Roy, ici. Et que le Seigneur soit avec toi. Oui. Lord, find me worthy. Find me worthy. God bless you, my brother, way in the back. Certainly God sees you. Be glad. Someone else will be remembered in the prayer just now. Make me. All right? Let us go. Seigneur, que je sois trouvé digne. Que je sois trouvé digne. Que Dieu vous bénisse, mon frère tout au fond. C'est certain, Dieu vous voit. Réjouissez-vous. Quelqu'un d'autre aimerait qu'on se souvienne de lui dans la prière en ce moment? Fais de moi. Très bien. Nous allons. L'instant du prophète, stop et peur, retrouvons-nous dans deux semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.